truc comme ça. Souvenir. A despicable display. This tosspot is a ruined man, Caroline. Unfit for life on land, much less at sea. If he goes to the West Indies, it's you who'll suffer. Father! Father! Come, love. Up with you now. That old muckworm! He's wrong about me! I hope it's so. You believe me, don't you? Can you not see me? Standing out there on the deck of a ship that's sliding into port. And there I am, a man of quality. With a thousand doubloons spilling from my pockets. Doubloons. With drops of rain. I can see it. Moi aussi, je peux le voir. Pour autant, c'est toujours pas arrivé. Mis à part cette toute première mission, évidemment, hein, où on a eu le bateau, quoi, même pas 10 minutes. La cena, comete-la rapido. Rapido. You hungry? Ah, QTE. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était aussi simple de se sortir de ces chaînes. Récupérez votre équipement, tuez les gardes depuis un coin. Hop, 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 hop. Hé. Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esta tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el golfo. Quizá estemos a salvo. Allez, viens par là. Allez. Voilà, viens. Que je te bute. Du coin. Hop, l'autre il est... Ah bon, l'autre il est de dos, donc ça va. Mais le tue pas, il faut que je les tue depuis les coins. Là, il y en a un. Voilà, viens par là. Petit bug dans les mouvements. Hop là, et les deux en face ne m'ont pas vu. Non, mais non, mais... Mais il est taré. Ok, où est-ce qu'ils sont les deux autres? Viens par là. Comme ça, ça fera 3 et... Oh, il a sorti son épée, lui. Lui, il a sorti son épée. Hop là, très bien. Ça fait 3. Ça fait 3, le point vert... Ah oui, le point bleu, c'est mon pote. Le point vert, c'est mon équipement. On est donc sur un bateau. Vous le voyez, ça bouge, ça tangue. On est dans les cales. Hey, take what you need. Won't be a minute. Qu'est-ce que c'est que ça, je... Oh. There's many prisoners held on these ships. Send them free, and they'll sail with us, no question. Là, ça va être du gros combat. So that's the idea then. Free what men we can, then find a fast ship to flee in. Aye, there's a brig in this fleet. I'll make my way to it. Je suis là, voilà. Hop, je sais que je suis pas obligé de te tuer depuis un coin, mais j'ai envie. Allez hop, l'autre de l'autre côté. Prisonnier libéré 18. Ok, il faudrait que je réussisse à libérer 18 prisonniers. Je peux pas me mettre à... Non, je peux pas me mettre accroupi. Ok. Aïe 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 aïe. Non, je vais me mettre... Ici. Non, pas là. Et mon pote, ça y est, il est... Allez, viens pas... Mais quel abruti! Mais quel abruti... Ok, écoute. Est-ce que je peux quand même aller libérer des prisonniers? Oh, des bugs de bruit encore. Tiens, et de deux. Oh, allez. Et trois et le quatrième, il va falloir lui percer sa défense. Il y a machin tout en haut de son mât, je suppose, oui, évidemment. Là, il y a un prisonnier.
Il y a des gardes également. Il y a trois gardes. Non, deux gardes. Ok, bah écoute. Tiens. Oh, merde. Voilà. Allez, attaque-moi. Oh. Il est où ce cher prisonnier? Ah, mais là, il y en a plein. Ok. Comment on fait pour les libérer? There's a catch to this favor. You're sailing with me. Mais pourquoi je peux... Mate. Donc ça, c'est un prisonnier. Ah non, 9, ok. C'est sur 18. Je pensais que c'était sur 8. Ah ok, il va falloir que j'aille aborder d'autres navires. Oh là là, ça c'est jouissif. Ça c'est jouissif. D'ailleurs, d'ici, je devrais pouvoir accéder à l'autre. Avec leur nouveau système de déplacement en 3D... en 3D, pas géométrique, mais comment on dit, qui gère en fonction des mouvements des bateaux. C'est censé être bien fait. Allez, hop. Hop. Et libérer prisonnier. Vite fait, je veux voir, est-ce que il y a des objectifs secondaires. Libérer 23 pirates. Donc on va pas s'arrêter à 18, on va s'arrêter à 23. Come on, lads. If we're to drown today, it won't be here. On est à combien? 12, là? On est à combien? 12, c'est bien ça. Bon, les autres, on va pas les emmerder. Non. Ok, par là-bas, juste en face, il y a un autre bateau qu'on n'a pas visité. Bon, on traverse les cordes hein, avec Connor, évidemment, c'est assez simple. Oh, lui, c'est un capitaine. Yeah! Take that, bitch! Tiens, le double kill qui fait plaisir. 12, 14 avec ces deux-là. On peut pas passer le. Non, on peut pas passer la cinématique. Bon, allez, on commence à préparer notre équipage là pour commencer à naviguer. Ça va peut-être être sympa, enfin. Attention, tout en haut du mât. Tintintin! Ils sont où les autres? Ils sont là-bas. Ça doit être celui-là. Je ne sais plus. Je ne sais plus lesquels on a visité ou non. Oh, on peut même marcher sur les cordages. On va peut-être aller par là pour essayer de choper. Voilà, ça. Là, il y a des équipages. Il y a 14. J'espère qu'ils sont plus que 4 parce que sinon, je sais pas comment on va faire pour accéder à 23. Hein. Je les vois même pas. Où est-ce qu'ils sont? Ah, ça doit être le truc en surbrillance, évidemment. C'est comme tous les... Allez, double kill à 15 km de loin, de distance. On va ouvrir ça. Et là, ils doivent être 15 millions. Ah bah d'accord, on va se cacher avec eux. Viens, on va se libérer. Et puis, hein, le temps qu'on le dise, on est prisonniers nous-mêmes. Hop là, lui, je l'ai vu, il est où? Oh, ça c'était un beau double kill ça. Ah bah il est là, ok, je vais y arriver à finir cette phrase. Je suis passé juste devant lui et pour autant... Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fait 20... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quoi, 22? Oh non, me dis pas... Me dis pas qu'on va arriver à 22. 23 il me faut. Oh non, il n'y a plus que lui en plus. Il n'y a plus que eux en plus. Oh là 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 là. Oh, ta 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 ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, pourquoi j'en ai 9 là? Ah, c'est lui qui était tout au fond là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui. Youf. Going topside. Be ready. Ok. So. On va remonter sur le pont et on va sans doute voler le premier bateau qui nous tombe sous la main.
Où est-ce qu'on remonte? Ah, on remonte là. C'est bizarre parce qu'on est sorti par l'autre côté. Mais on remonte par ici. Tuer le capitaine. Le capitaine se trouve à 30 mètres. Allez, on y va. Oh là là, la mer est agitée. Ah, c'est sympa. Ça c'est sympa. Par contre, on sent pas trop le courant. On ressent pas trop plutôt le courant. Mais c'est pas grave. Toi, t'es mort, mon petit. Tiens, mange-toi ça. On vole le navire. Et on se barre. Allez, hop. Tous à bord. Butez-les. Butez-les. The man speaks through, you lot weigh anchor. As for the rest, half on the foremast and half at the main. Let's outrun this hurricane. Allez, c'est parti. Mon dieu, ça va faire plaisir, c'est un peu de naviguer. C'est le point central du jeu, bon bordel de merde. Keep watch on those galleons. See they don't give us trouble. They won't, far too small for this weather. Allez. Tirer au canon sur pivot. Je comprends pas comment on change d'arme. Ah ben voilà, c'est peut-être juste en regardant alors. Tiens, ok. Ok. Je comprends pas trop là. Et pourquoi je peux, pourquoi j'avance pas honnêtement? J'ai l'impression que je recule plus que je n'avance. Allez, bouffez-vous ça. Oh là 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 là, on prend cher également. Oh là là, on a pris vent patate. On s'est pris un gros vent patate dans notre gueule. On n'a rien compris. En 2-2, on était mort. Accélérer, voilà. Ah ben cette fois ça marche mieux là. Allez. Oh non. Bam. Allez hop. Hop. Allez. Bouffez ça. On peut pas tirer derrière. Non. Ah si, on a quelque chose derrière. What? Mais purée! Oh là 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 là! C'est quoi ça? Vagues scélérates. Les vagues scélérates peuvent endommager gravement votre navire affronté les deux faces. Pour ne subir aucun dégât, à défaut, maintenez X pour réduire les dégâts. De face! De face! De face comme ça là! Oh là là! Oh non! Aucun dégât! Oh pop 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 pop! Oh là 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 là! Ah ça, ça fait plaisir, ça. Ça, ça fait plaisir. Pourquoi? Ok. Y a pas une vue... Non, y a pas d'autre vue que ça. C'est quoi ce truc jaune, là? Oh, c'est une tornade! Oh, je suis impressionné, là. Oh là 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 là. Oh, cette vague. Oh, y a une tornade! Oh là là, c'est magnifique en tout cas. L'immersion y est. Oh là là, on va passer entre les deux tornades là. Oh là là, non, plus à droite, plus à droite, plus à droite. Plus à droite, plus à droite, plus à droite. Plus à droite, plus à droite. Non ! C'est bon. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Alors là, par contre, on va complètement contre le vent. On a une île juste à gauche là. Vous voyez la flèche sur la map, ça indique le vent, je pense. Et vous voyez que là, c'est orange, donc ça veut dire que je dois pas être... Ouais, là, c'est rouge, donc je prends vraiment aucune accélération. Une vague scélérate, une vague scélérate, une vague scélérate. À droite, on est de face. Ok, aucun dégât. Attends, oh là là. C'est bon. Oh, un bateau. Qu'est-ce que c'est que cette icône? On dirait un... Comment ça s'appelle? Un phare.
Avancer dans l'histoire pour déclarer débloquer d'autres sites sous-marins. Ah, c'est les sites sous-marins. Oh non, ça veut dire qu'on peut pas... Oh, le temps change. Ça veut dire qu'on peut pas aller sous l'eau par n'importe quel à n'importe quel endroit. C'est nul, ça. Je pensais qu'on pouvait explorer le fond marin partout ou à peu près sur les côtes, quoi, ou je sais pas, mais... Je pensais pas que c'était situé à certains endroits, spécifiquement. Ah... On ralentit. Yes. Ça y est. Une petite oasis. By God, we pulled this one straight from the teeth of Neptune. I'm Edward. Much thanks for your aid back there. Adewale. Adewale. Comme l'acteur de Lost qui joue Monsieur Echo, il s'appelle Adewale. Not yet. By God, she took some knocks, didn't she? I think I'll keep her. All hands aft, lads. We're taking this one home. Yeah. Ah. Le beau navire. Très 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 bien. La flotte du trésor. Ne tuer. Libérer les pirates. 23 pirates. C'est fait. Tuer les gardes depuis un coin. C'est fait. Évaluer cette mémoire. Très bien. Parce que c'est vraiment là que commence l'histoire, j'ai envie de dire. Ah, merci Ubisoft enfin de me donner cette joie. Ça faisait longtemps. Enfin, depuis qu'on a commencé, c'est vrai que ça a été un peu dépourvu de grande joie et d'appréciation de nouveautés. I've made my choice, Addy. I'm calling her the Jackdaw. Jackdaw. Sly bird I loved as a child back in Swansea. A dark little creature, no? Did it rub you wrong when I took this brig as mine own? It was the sort of rub I have learned to endure, sailing among faces of such fairness. It's true. Most of these men wouldn't accept you as a captain. So what fair role would complement such unfairness? I'll be your quartermaster. Nothing less. All right. And as quartermaster, have you any immediate counsel for this Tyro captain? Rest and repast would do us good before Nassau. Water for drinking. Hunting for food and repairs. Well reasoned. Yes, hunting. It shall be. We'll find a decent place to drop anchor. Un endroit où mouiller. Non, aucune. Non, non, n'y pensez même pas. Aucune connotation sexuelle là-dessus. Mais enfin. Vous avez un esprit tordu, les amis, je ne comprends pas. À l'heure de croisière. Ah, voilà, c'est comme ça qu'on a la vue de loin. Fit to explode at the touch of a spark. We'll stow ours good and proper. As for the cannons, they might as well be tossed. Clogs touch holes in need of scraping, corrosion on the bodies, barrel swabs as naked as knives, and breech ropes so rotted, I could use them for knitting yarn. The short of it is, we need good equipment kept in fine condition. But we cannot win every battle with snares and shout. So worry about your own armaments when it suits you. But don't forget about your jackdaw as well. No, indeed. We'll make it a point to keep this ship and its crew fine. Oh non. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait... Ah mais d'accord. Mais ralentir, arrête. Ok, bon ben... Allez. Oh, des dauphins. Oh, c'est trop beau. Du coup, ce qu'on a vu dans le premier épisode, là... L'orque qui a sauté hors de l'eau, à mon avis, on doit pouvoir le capter naturellement dans des environnements aquatiques comme ça. Dans la mer, tout simplement, au lieu d'appeler un chat un chien. Un kilomètre encore.
Là, il y a des navires. Ça a l'air d'être des ennemis puisqu'ils sont en rouge sur la carte. Un peu à gauche parce que sinon on va échouer. Voilà. C'est sympa parce que la manette vibre plus ou moins en fonction de du niveau de l'eau, plus ou moins en gros. Je suppose que si on... Hop là, attention. Si on approche une côte, eh bien, du coup, ça va vibrer de plus en plus. Bon, allez, on va y aller à fond. Tant pis si c'est des ennemis. Hop, on va éviter de leur foncer dedans, c'est tout. Ah, et enfin, on est sur la mer. Enfin! Ah, mais c'est pas cette île, en fait. Ok. mètres. C'est beau en tout cas. Il y a un peu de brouillard, mais oh là là, ça fait plaisir d'être en pleine mer comme ça. Ah, 200 mètres. Oups, on va ralentir un petit peu. On va aller par là et puis on va s'arrêter. Oh merde. Allez, on lâche la barre. Ok, Abaco Island. Donc là, le bateau ne devrait plus bouger. J'espère qu'il va pas partir à la dérive. Non, parce qu'avec l'IA tellement rapide, tellement bonne qu'on en a. Pour les ennemis, en tout cas. Et donc là... Non, là, je peux pas aller sous l'eau, quoi. C'est nul, ça. Ça, c'est nul, ça. Ah, le Jackdaw. Il est pas classe, là? Il est pas classe, peut-être? Mon bateau. Que l'on appelle elle en anglais. Et non pas il. Petite chose intéressante. Chasse et fabrication. Vous pouvez chasser des animaux et les dépecer pour récupérer des marchandises animales. Celles-ci permettent de fabriquer de nouveaux objets améliorés. Et amélioration pour être voir. La vision d'aigle facilite la détection des animaux. Le menu fabrication est accessible depuis le menu pause. Continuez. Ok. Iguane tuée et dépecée. Est-ce qu'il faut que je les trouve, les animaux, ou il y a un moyen de les trouver facilement? Oh ben, d'accord. Chasser des animaux. Je peux le tuer? Comme ça, là? Et je peux aller le recharger, du coup. Oh, salaud! Bon. On va dépecer celui-là, déjà. La même chose que dans le précédent et que dans Far Cry. C'est quoi ça? Ah, c'est une barque. Ok, c'est pour revenir jusqu'au bateau, je suppose. Regagner la vie, effectivement. C'est quoi? Ocelot. C'est des chats de jungle. Ceux qui ont déjà joué à Minecraft, vous le savez, sans doute. Là-bas, un iguane. Hop, bam! Allez, hop. Il peut pas recharger plusieurs balles, normalement il avait 4 balles au début dans son pistolet Edward. Ah, je vais sûrement couper l'épisode en deux parce que ça fait déjà une heure qu'on tourne. Et j'ai pas forcément envie de faire des épisodes d'une heure pour deux raisons. C'est que d'un, je pense que vous, ça va vous lasser une heure de gameplay en continu comme ça. Et puis peut-être que vous avez pas le temps de regarder les épisodes en une fois. Et... Oh, c'est ça un ocelot. On va vérifier. Je pensais que c'était plus petit. Tiens. Je pensais que c'était plus petit. Et donc deuxièmement. Oh, c'est la même icône que dans le précédent. Pour les chats, là, pour les chats. Pour les animaux à dépecer, vous voyez la petite patte. Sur la carte. Et la deuxième raison, c'est que pour le plot, ça va être assez tendu. J'ai souvent des problèmes de temps de plot. Où est-ce qu'il est? Il doit être... Oh, il est au-dessus. Oui, il est au-dessus, mais comment je fais pour y accéder à lui? Ah, c'est cet arbre-là. Ok. Comment je fais pour y monter à cet arbre-là? Je vais pas pouvoir, si. Ah, par là. Ok. Et donc ouais, j'ai souvent des problèmes pour uploader, soit c'est, enfin ça peut être très très long et du coup ça m'arrange pas tellement. Et également ça peut, est-ce qu'il est, également j'ai souvent des problèmes de connexion
en continu comme ça. Des fois j'ai des sauts de connexion. C'est assez dommage, mais du coup l'épisode se bloque en plein milieu et ne finit pas son upload, tout simplement. Un petit ocelot juste là. Je vais attendre qu'il se calme. Il est parti de l'autre côté de l'île. Il est là-bas. Allez, mais charge-le, ton fusil, putain. Hop là, le dernier. Et on va retourner sur le bateau. J'espère que ça va être la fin de cette mission, parce que c'est vrai que sinon, ça va être vraiment long par la suite. Ok, tout juste nommé capitaine d'équipage a dévoilé, incite Edward à chasser pour son bateau. Ok, c'est très bien. Fabriquer un nouvel étui, fabriquer une amélioration de santé. Effectuer un assassinat aérien contre un ocelot. Oh non, recharger depuis le dernier checkpoint, allez. Oh, je vous jure, hein, putain. Fabrication. Un nouvel étui de pistolet, je suppose, confirmé. Ça fait quoi? Un pistolet supplémentaire, un pistolet. Et deux pots d'iguane disponibles. Ouais, il n'y a que ces deux-là de toute façon. Des nouveaux gants. Enfin, non, pas gants, protège poignet là. Équipement de protection augmente la santé d'Edward de 25%. Très bien. Donc, je pense que c'est la fin de. Nouvelle étui. Je viens de les faire, boulet. Peut-être que je les équipe. Non. Bizarre. Retrouver à dévoiler. Ok. Oh, mais il fait jour, ça y est. Ah, c'est parce que j'ai rechargé l'épisode, sans doute. Enfin, le dernier checkpoint. Ok. Eh bien, on va aller retourner sur le bateau. Je crois que ça fait un temps de chargement si on prend le bateau, le petit bateau. Est-ce que je peux le tuer comme ça, là? Yep. Exactement. Je vais pas le dépecer, quand même. Mais... Quoique, je vais peut-être en avoir besoin par la suite. Maintenant qu'il est mort, autant le dépecer direct. Hop, je vais y aller à la nage parce que sinon ça va faire un petit temps de coupure entre les deux. J'ai cru que c'était un crocodile. Le rocher. Et je préfère y aller à la nage, ça fait plus immersif. Salut, matelot. C'est bon, j'ai chassé. Parce que vous êtes incapable de rien faire. Interagir avec Adé ou aller. Et c'est parti. Ahoy, captain. Find what you need. My needs and wants are oceans apart, mate. But I did fashion myself a new holster. All I need now is a pistol to lie in it. Yeah. Taken from the holds, just as you said. Quelle chance. A little more than a blowpipe. But it'll do. So, are we resting? Or should we idle a while longer? Best way anchor. I think the crew is itching to reach civilization. You'll find no civilization in Nassau. But it's a fine place to be merry all the same. Parole de pirate. Mission accomplie, mémoire 1. Ah, donc ça doit être la séquence 3. Objectif optionnel, tirer sur un iguane. J'ai pas réussi à effectuer un... Enfin, j'ai pas pensé à effectuer un assassinat aérien contre un ocelot, donc tant pis. Ah, et bien ça fait plaisir d'avoir trouvé notre bateau et de pouvoir l'utiliser comme bon nous semble. Je suppose que ça va être... Voilà, ça va être ce qu'ils vont nous dire. Appuyez sur Y à plusieurs reprises pour enchaîner les tirs sur des cibles en surbrillance à l'aide de pistolets dont vous êtes équipé. Ces tirs infligent moins de dégâts mais interrompt les attaques. Yeah, yeah. Eh ben écoutez les gens. Hop 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 hop, on nous attaque. Non. Ok, ils s'attaquent entre eux. Ben très bien. Écoutez les gens, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. C'est mon nom est Gringo. On joue à Assassin's Creed, on se fait plaisir, on a retrouvé notre bateau. Si vous avez apprécié l'épisode, merci de laisser un petit pouce vert, ça prend même pas 2 secondes et ça me fait extrêmement plaisir et ça encourage la chaîne et ça aide la chaîne concrètement à être plus connue et du coup avoir une meilleure popularité et etc etc. Ah, écoutez un petit peu.
Alors on va se laisser sur ces belles paroles. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook, Twitter ou Google+, éventuellement, si vous avez un compte sur un de ces réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, donc comme je vous l'ai dit, et à vous abonner à la chaîne si vous voulez être prévenu de la sortie des prochains épisodes. Moi, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les gens! Buy it.